Faites sûreté, excellent, c'est bon. Ben, je dirais que ça va leur permettre de relever des défis, de devenir, bon, nos buts c'est de devenir de bons citoyens. Donc le fait de vivre ici en communauté pendant 2, 3, 6 semaines, ben, ça leur permet justement d'en apprendre beaucoup sur la vie de groupe, sur comment collaborer avec les autres. C'est sûr que on va prendre l'exercice militaire en tant que tel, on va dire ben, c'est quoi l'utilité d'un cours d'exercice militaire pour un adolescent de 14, 15, 16 ans, mais le jeune, lorsqu'il va se retrouver à l'école, ben, la discipline que ça lui a inculquée, le leadership que ça lui a inculqué, ben, ça va lui permettre justement de faire des choses intéressantes dans l'école, par exemple d'être président de classe, d'être un leader là, au sein de son groupe. Donc c'est des choses qu'il va apprendre ici sur le camp d'été. Les cadets, vu que je suis souvent là, ça fait 4 ans que je suis au cadet, ça devient un peu comme ma vie, ça fait partie de ma vie, vu qu'à chaque vendredi, je vais au cadet, je fais les couleurs, tout. J'ai un poste au cadet, je m'occupe des divisions, vu que je suis un staff et tout. Donc c'est vraiment une partie de ma vie. En fait, moi, depuis mon unité, c'est comme devenu un peu ma deuxième famille. Dans notre unité, on est vraiment soudés, c'est ça qui fait que c'est beau. Aussi, moi, j'ai décidé de continuer les cadets, parce que je veux devenir comme lui un maître de première classe, puis c'est ça qui me motive à continuer. Ça me fait un objectif dans ma vie, en fait, les cadets. Moi, les cadets, c'est devenu une passion. Autant parce que ça m'a apporté plein de belles opportunités. Je fais mon 4e camp d'été cet été, mon 2e camp de 6 semaines. Puis c'est des expériences inoubliables. Ça nous apporte du civisme, du leadership. On apprend plein d'affaires. Ça m'a permis de commencer à jouer de la musique, quelque chose que j'adore. Puis sincèrement, je souhaite continuer jusqu'à temps que j'ai l'âge pour devoir malheureusement quitter les cadets. Puis les cadets représentent une bonne partie de ma vie maintenant.